Madame, Monsieur, chers amis, chers membres, après avoir consacré une série de grandes conférences portant sur les hymnes nationaux et l'histoire des églises chrétiennes, je reviens vers vous avec un tout autre sujet de grande conférence, et nos seigneurs. Et pour comprendre le sujet de cette conférence, eh bien, je vais vous faire deviner celui-ci. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant, ils existent. Rien que ces quelques mots vont vous faire deviner le sujet. Vous me répondrez Léo Ferré, et d'emblée, je vous dis oui, vous êtes sur le bon chemin de cette conférence. Léo Ferré est un auteur, compositeur, interprète, pianiste et poète, et surtout, et nous approchons du but, anarchiste affiché, dont les compositions musicales ont été marquées indéniablement par cette philosophie au cours du temps. Anarchisme, ou plutôt l'histoire de l'anarchisme, c'est de cela que nous allons parler avec cet exposé. L'histoire de l'anarchisme a longtemps été occultée par les médias. Les études ne sont d'ailleurs pas si légion que cela. Il aura fallu finalement, notamment, quelques documentaires récents comme Tancrède Ramonet sur Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, dont les deux premières parties ont été diffusées en 2017 sur Arte, allant des origines à 1945, pour réaliser ce qu'est le courant anarchiste, ce qu'a été le courant anarchiste auprès du grand public, dépassant le stade des cercles d'initiés, des militants et du milieu, je dirais, intellectuel et universitaire. Ces deux documentaires, évidemment, seront complétés par, je dirais, deux autres capsules, deux autres séquences allant de 1945 à 2011, et ils seront probablement diffusés à la fin de l'année 2021. Je vous invite à regarder ces documentaires autant que possible afin de vous donner les bases nécessaires pour permettre de mieux appréhender la grande conférence qui se donnera, oui, durant différents lundis. Catalogne, Mandchourie, Ukraine, autant de lieux où des expériences anarchistes ont été menées avant d'être écrasées dues au contexte géopolitique des différentes époques. Et pourtant, pour pas mal d'expériences, comme la révolution mexicaine du début du XXe siècle, eh bien, les mémoires semblent avoir été effacées pour beaucoup de gens. Il faut dire que l'anarchisme n'a pas bonne presse. Il faut dire aussi que beaucoup de gens pensent que l'anarchisme, eh bien, c'est le désordre, voire l'attentat. Mais réduire tout un courant philosophique et politique à cela, sans comprendre le contexte historique, eh bien, c'est faire preuve d'un manque d'objectivité et faire preuve de partialité. Comment l'anarchisme, présent depuis plus de 150 ans, depuis l'époque du développement du capitalisme et de la première révolution industrielle, a-t-il pu, je dirais, avoir si peu, je dirais, d'études et de compréhension de son développement? Ben, si c'est vrai que la bande à Bono, par exemple, a bien existé, et si des attentats anarchistes ont eu lieu, un seul d'ailleurs en Belgique et sans faire de victimes, dans cette longue histoire de l'anarchisme, ce n'est qu'une portion de cette histoire. En ayant cette image, on discrédite toute une philosophie politique, tout un courant qui a pourtant joué un grand rôle dans les conquêtes sociales et humaines dans le monde. On peut évidemment s'attarder sur les philosophes anarchistes ou libertaires comme Emma Goldman, Voltairine, De Clare, Voline, Murray Bookchin, Élisée Reclus, Louise Michel et les grands penseurs classiques comme Kropotkine, Bakounine, Proudhon, etc. Il est à rappeler que l'anarchisme promeut finalement la coopération, l'émancipation, la libération des gens face aux oppressions, le respect des êtres et du vivant, à l'instar d'un Élisée Reclus dont on reparlera. Elle donne ou redonne un autre mode d'organisation autogestionnaire, très en vogue dans les années 60-70 et qui revient aujourd'hui à l'avant-plan dans, je dirais, la tentative de résolution des enjeux actuels économiques, sociaux et écologiques. Je vous recommande une nouvelle fois de revoir cette histoire de l'anarchisme diffusée sur l'Arte si vous en avez l'occasion, ce qui donnera une bonne trame de fond bien utile pour la suite de l'exposé. Mais commençons par le début et occupons-nous de ce mouvement chez nous, avec cette conférence qui portera plus précisément sur l'histoire de l'anarchisme en Belgique.
Là aussi, il faut attendre les années 60-70 du XXe siècle pour commencer à s'intéresser à l'histoire de l'anarchisme en Belgique. Il faut dire que dans l'histoire du mouvement ouvrier en Belgique, l'emprise du POB, Parti ouvrier belge, est forte, donnant l'impression d'une histoire, je dirais, quasi linéaire du mouvement ouvrier. Et beaucoup ont délaissé l'histoire, je dirais, pré-POB. Les choses commenceront vraiment à changer progressivement dans les années 70, 80, 90 en l'occurrence. Je me base évidemment notamment sur les ouvrages et écrits. Je pense à Yann Moulart, docteur en histoire et portant sur le mouvement anarchiste en Belgique 1870-1914, et l'historien Nicolas Ingels, spécialiste de l'anarchisme en Belgique pour la période d'après-guerre. J'ai tenté, dans la mesure du possible, de poursuivre les recherches pour vous parler du mouvement libertaire dans sa période la plus récente, depuis 2000, effectuant quelques recherches, mais tout cela, évidemment, restera lacunaire. Je vous informe que je ciblerai mon exposé principalement sur les territoires de la Wallonie et de Bruxelles. J'espère que cet exposé vous intéressera. Il est constitué de plusieurs capsules qui seront diffusées les lundis. Je décomposerai pour plus de facilité mon exposé en plusieurs périodes afin de rendre, je dirais, comme je l'ai dit, mon exposé plus accessible, plus compréhensible et pour permettre de mieux digérer la matière. La première période sera la période de 1870 à 1914, qu'on peut considérer entre guillemets comme l'âge d'or de l'anarchisme en Belgique, que je me verrai obligé de décomposer en deux capsules vu la teneur de l'exposé. Ensuite, la période 1914-1945, c'est-à-dire de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, avec la période troublée en Europe et ses conséquences en Belgique. La troisième période portera sur la 1945-1970, les anarchistes et les combats d'après-guerre, mai 68 et l'émergence d'une nouvelle génération anarchiste. Et enfin, la dernière partie portera sur la période 1970, donc les années 70, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, de mai 68 à la situation actuelle, histoire de l'anarchisme en Belgique, histoire de l'anarchisme récent. Rendez-vous donc dès lundi prochain pour la première partie de cet exposé portant sur l'âge d'or de l'anarchisme en Belgique, qui ira donc de 1870 à 1914. Rendez-vous donc lundi prochain. À bientôt.